Bonjour. Le miracle est le lot de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, car il est écrit, tout est possible à ceux qui croient, comme Jésus a eu à le Barthélée à Marthe. Constance, souffrant d'éléphantiasis, a cru et elle a vu la gloire de Dieu après plusieurs années de maladie. Elle a recouvré sa santé grâce à sa foi en Jésus-Christ de ressuscité. Ensemble, suivons ce témoignage édifiant. La filariose lymphatique, encore appelée éléphantiasis, est une maladie parasitaire causée par des filaires. Ces vers parasites infectent les vaisseaux ou les tissus ou encore un organe du corps en détériorant la santé physique du corps d'un ou de plusieurs membres. Elle est transmise par des moustiques infectés. Les dix filaires, logés désormais dans les vaisseaux lymphatiques, provoquent un gonflement des membres et d'autres parties du corps. Les symptômes comprennent un gonflement des jambes, des bras, des parties génitales et du visage. La peau peut devenir épaisse et rugueuse, entraînant une déformation permanente. Le reflet physique des malaises, c'est ce gonflement tel des membres inférieurs que leur aspect ressemble à des pattes d'éléphant. C'est de la grosseur normale des membres, comme celle d'un éléphant, que l'on tire le nom de cette maladie dont souffrent des millions de personnes dans le monde, et notamment en Afrique comme Constance. Personnellement, je ne croyais plus que ce soit possible, que je pouvais encore me lever, marcher et fouler cette terre de mes pieds, parce que j'étais déjà physiquement très affaiblie. Constance est née et grandit dans la foi religieuse jusqu'à ses 69 ans. Souffrant d'éléphantiasis et attendant ses derniers jours, elle savait entre autres son sort scellé à la mort. J'avais été malade. J'ai eu un mal de pied qui avait débuté de la simple des manières. Au début de ces malaises, une suite d'examens m'avait été recommandée par les médecins, car on estimait entre autres que ce ne soit pas les pieds, mais certainement d'autres maux. Faisant suite à ces examens, aux sorties, les résultats ont révélé que je souffrais de fibromes et aussi de myomes et de kystes. Voyant la grosseur de mes membres, que ce soit les pieds ou les mains, les avant-bras, à me voir, je paraissais physiquement très énorme. On peut voir sur cette photo, bien que l'autre pied soit couvert, l'autre quant à lui montre la marque qui indique l'état d'une proportion anormale. Il présente une malformation. Pendant plus de 3 ans, Constance a souffert de ces maux multiples. Surtout que la communauté villageoise de Yamsoum 1 dans laquelle elle vit se disait que Constance vit ses derniers jours. Dans cet état de maladie, mon ventre aussi avait pris du volume comme une femme à terme. Bien après ces examens qui ont révélé les dites myomes et kystes, les moyens financiers ne nous ont pas permis de faire l'opération recommandée. Car les frais exigés pour cette opération étaient au-delà de notre bourse. Nous avons abandonné ainsi l'issue médicale. Tous les 3 ans qu'elle a souffert, est restée assise sur sa véranda. Dès le matin, elle prenait place sur son siège devant leur maisonnette. Son mari, Vincent Delcourt, ancien chauffeur, cadre travaillant dans la société de transport urbain dans la ville de Yaoundé, a pris sa retraite. Désormais, il passe ses moments dans les champs. Et il raconte. Elle a été victime d'un mal dont je ne connais pas la provenance de ça.
mais elle a été malade longuement. Elle a souffert. C'est au moment où les jeunes de la CMCI faisaient leur campagne, ils étaient de passage, ils se sont arrêtés. Ils ont trouvé que maman était assise sur un banc. Ils ont fait comprendre à la maman que si ils vont prier et puis maman peut avoir la guérison. Ça avait été fait. Finalement, maman, avec ses pieds, son mal des pieds, elle s'est levée. J'ai dû supporter ces maux. Et de retour en famille, je ne parvenais plus à marcher. Mes pieds avaient plus enflé, exactement comme une personne atteinte d'éléphantiasis. Je suis demeurée dans cette souffrance jusqu'au jour où les jeunes qui sortent pour faire l'évangélisation arrivent. Parmi eux, deux jeunes gens d'un âge méprisable selon moi, se sont approchés. Ils m'ont proposé d'annoncer l'évangile. Je leur ai répondu que j'étais malade. Et ils m'ont répondu que c'est dans ce cas que Jésus fait des miracles. Et je réalise à ce jour qu'effectivement, ces miracles se sont accomplis. Fort heureusement, le bruit des pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle se fit un jour ressentir. Comme à Timothée, Paul conseillait dans la Bible que personne ne méprise sa jeunesse. Ces jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI de l'église à Yaoundé, dont l'apparence était méprisable selon Constance, sont les messagers par lesquels Jésus-Christ est passé pour la sauver de la mort éternelle et la guérir de cette maladie authentiquement. Voilà Dieu. Bye. On est en train de partir au IMSUM 1, IMSUM 2, IMSUM 3. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, disent les Écritures. Donc, à leur arrivée, je les ai fait asseoir à l'arrière-cour, compte tenu de l'ensoleillement de l'avant-cour. C'est depuis cet arrière-cour que nous prions. Alors, l'un de ces deux jeunes gens me dit, si tu acceptes Jésus, tu seras guéri. Je lui ai dit en retour que j'ai accepté déjà Jésus depuis longtemps. Il m'a répondu, non, pas de cette manière. Mais il te faut accepter que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est mort et ressuscité pour te sauver. Dès lors, quand tu vis, c'est Jésus qui vit en toi. Je lui ai dit, oui, j'accepte. C'est comme cela qu'ils m'ont conduit à accepter le Seigneur Jésus. C'est lors de cette occasion que Constance, jusque-là religieuse, régla sa relation avec Dieu en acceptant le Seigneur Jésus. Et de là, son miracle s'opéra. Juste après qu'ils aient prié pour moi, ils ont repris le chemin pour continuer l'évangélisation. Ils m'ont recommandé de me débarrasser de la canne, de marcher sans canne, car, disaient-ils, Dieu ne m'a pas créé pour marcher avec la canne. Dieu m'a offert les pieds pour me déplacer. En effet, j'ai abandonné la canne. Ils ont pris la dite canne et jeté à bonne distance. Je me suis levé de là pour rentrer dans la maison, en traînant les pieds et en m'adossant sur le mur. Un de ces jours qui suivaient, je réalisais que je pouvais me lever de moi-même et sortir sans canne jusqu'à ce que je parvienne maintenant à marcher. Une autre chose, c'est que la proportion des pieds avait diminué et revenu à la taille normale.
mais le ventre demeurait comme celui d'une femme à terme. Le volume des bras aussi laissait voir que mon corps était plus anormal que mes vêtements. Je m'habillais de la plus large des manières. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle n'a pas hésité à se soumettre à Dieu et au conseil des jeunes ministres de l'Évangile qui l'ont conduit à la vraie repentance. Ce processus dans la CMCI par lequel les pécheurs sont invités à se repentir envers Dieu en cherchant la délivrance. Un cheminement tel que défini par Zacharie Astanefomum dans son livre « Le chemin de la vie » qui parle de la détermination du converti à en finir avec le passé dans son 5e chapitre. Le pécheur nouvellement pardonné et sauvé doit par ailleurs recevoir le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens, comme le recommande le pasteur missionnaire Boniface Meunier dans son premier ouvrage qui porte le même titre. Brisement des liens malsains de famille et autres liens. Étape à laquelle le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens lui a été gratuitement rendu. Petit à petit, l'excès de poids est revenu au poids normal. En l'espace d'un an, ne sachant pas que mon ventre enflé avait diminué, c'est une coépouse à moi qui me fait la remarque que mon ventre avait diminué. Et elle me demanda si j'étais à l'hôpital. En vérifiant, je constatais effectivement que c'est le cas. Autant pour le poids, ce sont les tiers qui se sont rendus les premiers comptes de ma guérison authentique. J'ai connu ainsi le soulagement jusqu'à ce jour. Maintenant, je vaque à mes occupations champêtres. J'accomplis les tâches qui m'étaient impossibles avant. Je rends grâce à Dieu qui m'a préservé de la mort. Il m'a relevé, m'a guéri de la maladie. J'accomplis mes tâches de mes propres pieds. Je me déplace comme pour aller à l'évangélisation avec Habita et je reviens. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Aujourd'hui, Constance a rencontré son Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui guérit et qui l'a guéri de l'éphantiasie. Elle s'est résolue à servir Dieu dans la prière. Elle dirige à ce jour la chambre de prière de Yom Soum 1 dans une banlieue de la ville de Yaoundé. Demande les noms ici. Elle dit que la période, la portion aussi doit être pour le nom. Tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour mettre le nom. Assurément, Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde et qui guérit des maladies. Et Jésus-Christ de Nazareth a opéré ce miracle dans la vie de Constance. Tu as suivi ce témoignage édifiant. Il se pourrait que tu vives une situation similaire. Ton avenir est incertain. Tout n'est pas perdu. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Or, la condamnation est réservée à tous ceux qui refusent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais toi, certainement tu es disposé à l'accepter dans ta vie et dans ton cœur. Alors, prie après moi. Dis, « Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché contre Dieu et contre les hommes, en pensée, en parole et en acte. Beaucoup que j'ai offensé, aujourd'hui, je regrette.
Je te demande de me donner une vie nouvelle. Sauve-moi de ces péchés. Délivre-moi de toutes ces emprises de l'ennemi. Seigneur, donne-moi le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Fais de moi une personne nouvelle. Écris mon nom dans le livre de vie. Et donne-moi le Saint-Esprit afin qu'il m'accorde ce pouvoir, cette puissance, que je marche avec toi et que je t'obéisse tous les jours de ma vie, à n'importe quel prix. Aujourd'hui, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait sincèrement cette prière, sache que Jésus-Christ est déjà dans ton cœur. Personnellement, je vais te donner deux conseils. Le premier, c'est que juste après cette mission, c'est que va et dis à quelqu'un ce que tu venais de faire, comment tu as donné ta vie à Jésus et que tu es devenu une nouvelle personne. Le deuxième conseil, c'est que après aussi, tu peux nous écrire par l'un des numéros qui s'affichent sur le bas de ton écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.